Fonder une famille ou continuer à courir? Que feront les pilotes après la F1? Personne ne souhaite imiter Vettel pour le moment. J'irai sur une plage, c'est certain, lance Ricardo. Je me dis que la vie sera moins chaotique. Mais je n'y ai pas encore vraiment pensé, je pense que nous sommes habitués au calendrier. Nous travaillons toujours en suivant un programme déterminé. J'imagine qu'il s'agira d'un plus gros changement. Je suis sûr que tout le monde serait encore bien occupé à fonder une famille ou quoi que ce soit. Mais il est certain que nous sommes très pris en F1 avec toutes ces courses et tous ces événements. Ce serait donc le changement le plus important. Je suppose que tout paraîtrait beaucoup plus lent. Pour sa part, Albon ne se projette pas encore aussi loin. Je pense pas encore à la retraite. Il est certain que vous devez y penser à un moment donné, mais pas maintenant. Peut-être que je m'achèterai une petite maison dans les Coast Worlds ou quelque chose comme ça pourrait être sympa. À 25 ans, Ocon non plus ne pense pas encore à la vie qu'il souhaite après la F1. C'est encore trop loin pour moi, en tout cas je l'espère. Je ne souhaite pas penser à la retraite pour le moment. Mais j'imagine qu'après la F1, il y a d'autres disciplines à essayer également. Tellement de voitures expérimentées. Je vois que Le Mans se renforce en ce moment, avec de nombreux constructeurs qui rejoignent la discipline. Mais bien sûr, je ne regarde pas ça du tout pour le moment. Je suis pleinement concentré sur la F1. Mais ça a l'air d'être un bon championnat. Peut-être que j'essaierai dans 10 ou 15 ans, je ne sais pas. Alors, Magnussen sait déjà à quoi ressemble la vie en dehors de la F1, vu qu'il a déjà des enfants, etc. L'année dernière, j'ai en quelque sorte vu à quoi ça ressemblait, et c'était plutôt bien. Je pense que ça prouvait que je suis parti de la F1, mais j'avais beaucoup de choses à faire, vous savez. J'ai continué à courir, j'ai participé à de nombreuses courses, j'ai participé aux 24 heures du Mans avec mon père comme coéquipier. C'était amusant. Puis j'ai couru en IndyCar ou encore Daytona en GT. La F1 ne me manquait pas. Mais lorsque je regardais les courses, ça faisait un peu mal, car je pensais alors que j'y retournerais jamais. Donc une fois que je prendrai ma retraite définitive, je pense que je continuerai à piloter des voitures de course. C'est un grand privilège, et je pense l'avoir compris l'année dernière. Si vous perdez votre volant, mais que vous le récupérez, c'est vraiment cool d'être pilote de F1. Bottas, je le projette pas encore, mais ça viendra. Je suis sûr qu'il a plein de choses à faire, d'opportunités à saisir, mais j'y pense pas vraiment. Ocon qui lui dit, je veux que tu m'apprennes à faire du rallye. Il a répondu, bien sûr, nous ferons ça. Le rallye est très amusant. Après la F1, je continuerai à piloter, c'est certain, parce que j'adore ça. Fallait interroger Hamilton et Alonso là. Mais ils sont trop jeunes pour penser à la retraite, tous ces pilotes qui sont interrogés, c'est un peu débile. Ouais, j'ai pas compris hein, pourquoi ils leur ont posé la question à eux, quoi. Et ouais, bon. Étonnant, 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 je vous laisse commenter, ciao.